Eux n'ont pas été sélectionnés pour la finale de ce Honoo 2015, mais ils avaient à cœur de montrer que quel que soit le support, ils sont capables de réaliser de véritables œuvres d'art, un retour aux sources mêmes de l'art de rue. This is not the competition. We're just painting. Yeah, for fun. Yeah, so that's okay. We can do it. C'est un jour spécial pour Tahiti et on en profite bien. Aujourd'hui, c'est la finale et en plus, il fait beau. Une finale exemple de graffeurs locaux. En effet, tous les finalistes de cette année font partie des 10 meilleurs artistes de leur pays, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Australie. On s'est fait un petit peu descendre de notre petit confort, hein, par des gars qui ont des influences voilà, c'est des gars qui sont très 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 pointus. Ouais. Pas de finale, mais bon, ça va, j'ai le meilleur local. Ne vous fiez surtout pas à leurs âges. Aujourd'hui, tous les visiteurs ont l'œil averti. À Tahiti, l'art urbain séduit de plus en plus. C'est joli. C'est carrément joli, c'est bien fait. Les couleurs sont bien choisies, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Je trouve que les graffeurs sont vraiment bons. Peut-être faire lancer les enfants dedans, oui, mais voilà. Pour nous, on va s'abstenir un peu parce que les bombes coûtent quand même un bon paquet de sous. Hein. Les enfants donc, ceux-ci ont pris d'assaut les stands d'apprentissage. Bienvenue dans l'ère de l'hypercommunication. On est toujours ravis d'accueillir du public et de montrer que l'art c'est dans la rue. C'est ce qu'on a fait aussi cette semaine avec toutes les épreuves du concours. Mais aussi montrer que voilà, il y a des artistes qui peuvent faire des choses superbes sur des toiles qui ont été posées sur des contreplaqués. Et puis maintenant c'est des ateliers pour encourager un petit peu les jeunes à s'exercer et à développer leur créativité. Il y avait 4 critères pour les épreuves qualificatives. La maîtrise de l'outil, la créativité, la gestion de l'espace et l'utilisation des couleurs. Mais pour la finale, le jury s'est laissé aller à plus de subjectivité. Aujourd'hui, le sujet était libre, complètement libre. Donc chacun, on va travailler avec notre sentiment, notre cœur, là où on trouve que c'est le meilleur, où il y a le plus de création, le plus de technique. Et on va sortir chacun les 5 qu'on préfère sur les 10 et on va voter ensemble pour élire les 3 premiers. Et qu'ils soient finalistes ou pas, les graffeurs ont profité de cette tribune qu'est le festival Honoo pour démontrer que l'art, même de rue, eh bien ça reste de l'art.